Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons récupérer nos places. Et vous saluer de ma part votre voisin de gauche et de droite. Vous le faites bien parce qu'on ne sait jamais. Je veux dire merci à l'apôtre Douglas pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus de passer ici pour apporter la parole de Dieu. Également, je dirais merci à tous ses collaborateurs que je suis en train de voir. Et que Dieu vous bénisse également. Et Dieu aussi bénisse vous tous qui êtes là. Si vous n'êtes pas là, on ne saura pas prêcher. Il faudrait que vous soyez là. C'est pourquoi il faut toujours être là. Amen. Ce matin, j'étais en communication avec le pasteur Ntembe. Il m'a chargé de saluer toute l'église. J'ai dit que non, je suis en train de prêcher ce matin ici. De saluer toute l'église et rappelez-les qu'il vous aime. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, soulignez le mot sacrifice, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous pouvons aller dans Philippiens, chapitre 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice, soulignez sacrifice. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je lirai le dernier verset dans Nombre 10. 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices. Soulignez encore sacrifice. Et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, amen. Je veux parler ce matin sur la puissance du sacrifice. Et cet enseignement, j'ai par la suite compris beaucoup de choses au travers de cet enseignement. Il n'est pas seulement un enseignement que nous avons l'habitude, peut-être par l'inspiration, je le sais, de pouvoir d'une manière thématique, d'une manière que nous connaissons, préparer un enseignement. Également, j'aimerais dire qu'au-delà de cet enseignement, je veux ajouter les expériences personnelles que j'ai vécues avec Dieu, qui a fait en sorte que
Si je donne cet enseignement, je suis en train de donner quelque chose qui peut, si vous le voulez bien, transformer ou révolter votre vie. J'ai sillonné plusieurs endroits en donnant ces enseignements. J'ai sillonné plusieurs églises, à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et quiconque pouvait entendre cet enseignement, c'était possible qu'il voie les fruits palpables dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Hébreux 13, à partir de 16, il est dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous savez que le monde d'aujourd'hui ou le monde d'antan est contrôlé par le pouvoir du sacrifice. Qu'elle soit dans le monde spirituel, elle soit dans l'église, bien des choses sont soutenues par le pouvoir du sacrifice. Tous ces gens que vous voyez influents, tous ces gens qu'on peut parler d'eux, dans n'importe quel domaine, plusieurs personnes, le renommé s'est accru par la puissance du sacrifice. Vous pouvez me parler des joueurs qui jouent très bien. Oui, parce qu'ils savent jouer, parce qu'ils font bien les entraînements. Au-delà de cela, ils ont des sacrifices, des autels sur lesquels ils placent leurs sacrifices. Malheureusement, aujourd'hui, ce mot sacrifice est un mot qui a été tiré de la Bible. Mais plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre la culture qui est dans le sacrifice. Aujourd'hui, peut-être je ne veux pas crier, mais je vais parler à votre cœur. Tu peux dire à ton voisin, pasteur a décidé de parler à ton cœur. Donc tu ne peux jamais influencer dans le monde politique, social, économique ou dans n'importe quel domaine si tu ne sais pas la valeur du sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens, j'aimerais parler des musiciens païens, s'imposent. Il y a dernièrement, j'ai lu quand même une petite interview d'un musicien qui est décédé, je ne suis pas ici. Des choses qu'il est en train de déclarer. On a même montré un véhicule, je ne sais pas, qui était en confection avec le numéro matricule ou le numéro d'immatriculation 666. Et il n'a pas eu honte de le déclarer qu'il a donné sa vie au diable. Il est impossible de s'imposer dans ce monde sans le sacrifice. Si aujourd'hui cette résurrection est là, il y a eu quelqu'un qui a payé le sacrifice. Et ce sont des choses de fois que nous oublions, mais qui sont très importantes pour percer dans ce monde. Ce que nous devons retenir, bien-aimés, il n'y a aucun sacrifice qui peut dépasser de loin le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Parlez de tout ce que vous voulez comme sacrifice. Mais le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice suprême. C'est pourquoi j'aimerais que nous soyons d'accord. Quels que soient les exemples que je donnerai, il n'y aura aucun sacrifice qui peut dépasser le sacrifice du roi des gloires et du Seigneur des seigneurs. Il est l'unique à son genre. L'étoile brillante du matin. Le soleil levant. J'aime beaucoup cet homme. Lorsqu'il dit, les choses se réalisent. Incomparable il est. Il donne la vie là où il y a la mort. J'ai écouté quelqu'un qui a dit que sa présence fait même arrêter le deuil. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu? Il tire l'indigent du fumier et il le fait asseoir avec les grands.
Il n'a pas besoin qu'il fasse des formules pour que tu sois riche. Seulement sa parole transforme la vie. Et le monde occulte, c'est la puissance qui se trouve dans le sacrifice. Et il n'hésite pas de le faire. Je viens d'une famille où, théoriquement catholique, mais j'ai vu comment est-ce que mon père était passionné de ces choses. Lui-même venant d'une famille de 11 personnes, 9 sont morts, ils sont restés à 2. Et son souci était que nous, ses enfants, qu'aucun de nous ne puisse mourir prématurément. Et il était près de tout. Je voyais comment est-ce qu'il pouvait immoler des poules. Et je voyais comment il pouvait faire des sacrifices pour qu'aucun des enfants ne puisse mourir. Mais une autre version des choses, c'est quoi? Le diable te donne la vie, entre guillemets, mais le diable te retire la richesse. Le diable te retire l'épanouissement. Nous venons d'une famille sans nom, sans référence. Donc, me trouver ici, ce n'est que le fruit d'un miracle. J'étais en train de parler avec lui parce que ça fait 11 ans qu'il est chez moi. Et non, papa, je me déplace un peu. Tu pars où? Non, je pars en Europe. Mais regarde, il commence à pleurer. Oh, mais pourquoi vous pleurez? Jamais dans ma vie, je pouvais que m'imaginer qu'il y aura un enfant qui peut, pas même voyager en Europe, mais entrer dans un avion. Je lui ai regardé, non, je suis là. Soyez calme. Soyez calme. Je veux voyager jusqu'à l'infini. Parce que je n'appartiens pas à la lignée des gens maudits, j'appartiens à la lignée des gens bénis. Qu'est-ce que c'est le sacrifice? Le sacrifice, c'est une offrande qu'on place sur l'autel pour dédier à une divinité ou à un être supérieur. Le sacrifice, c'est une offrande aussi de quelque chose de précieux. Quelque chose, écoutez-moi bien, quelque chose de précieux pour obtenir une solution de quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Quelqu'un me comprend? Là où la science peut être incapable d'apporter la solution, là où les médecins peuvent être incapables d'apporter la solution, mais le sacrifice est capable d'apporter la solution parce qu'il s'agit de Dieu lui-même. Et j'en ai vu. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était un acte rituel qui consistait à céder à la divinité un bien appartenant à l'offrant dans le but de satisfaire à une obligation imposé par Dieu. Mais deux choses qu'il faut retenir, bien-aimés. La première chose qu'il faut retenir, le sacrifice peut être librement assuré par le donateur. Vous savez que nous, des églises, des francophones, vraiment, on a commis trop d'erreurs. Hein? On était tellement logique. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. La seule manière qu'il faut dissiper les faux billets dans la circulation, il faut les surabonder par le vrai. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Dieu lui-même est un modèle. Il a librement donné son fils Jésus. On ne lui a pas demandé. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour toi et pour moi, il a pourvu. J'aime un homme dans son champ. Il avait l'habitude de dire que non, Dieu cherchant la solution pour résoudre le problème de l'humanité, il a trouvé la solution en lui-même. Oui, qu'est-ce qu'il y avait au fait? Il y avait deux problèmes. Dieu a placé l'homme. Il dit, voilà, je te place dans le jardin d'Éden. Voilà ce que tu feras et ce que tu ne feras pas. Et l'homme a désobéi à la loi de Dieu.
Et lorsque l'homme a désobéi à la loi de Dieu, directement, un des attributs de Dieu s'est déclenché. La justice. Et quand la justice de Dieu est déclenchée, cela veut dire que la sentence tombe. Sinon, il ne sera plus appelé Dieu de la justice. Et l'homme n'avait plus droit de citer. Mais Dieu n'était pas seulement un Dieu de la justice, il était aussi un Dieu d'amour. D'où il y a eu confrontation entre la justice et l'amour. Oh, j'aime la sagesse infiniment de Dieu. Il a résolu des problèmes sans qu'il y ait de combat. Il a résolu des problèmes sans qu'il y ait le tiraillement. Il a résolu des problèmes sans qu'il y ait les tables rondes. Il a trouvé la solution à lui-même. Il a pourvu à lui-même un fils bien-aimé qui n'a connu ni vécu le péché. Il s'est assis sur le... Oh non! Ce Dieu-là est formidable. Il a pourvu à son fils. Et la Bible déclare, la Bible le reconnaît comme un sacrifice suprême qu'il a donné pour le salut de l'humanité. Si toi tu es là ce matin, moi je suis là ce matin, c'est à cause de cette œuvre. Donc Dieu est lui-même le premier modèle dans le sacrifice. Et personne, même ce matin, ne peut donner le sacrifice qui peut dépasser ce que Christ, Dieu, a fait. Deuxième aspect, le sacrifice pouvait être demandé aussi par un être supérieur ou par Dieu. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 22, tout le chapitre, vous remarquerez, Dieu lui-même demande à Abraham de lui offrir un sacrifice. Ce matin, c'est fort possible que Dieu te demande de lui offrir ton Isaac. C'est fort possible que Dieu te rappelle le vœu que tu avais fait pour son église. N'aie pas peur, mais je vais seulement te rassurer. L'acte que tu vas faire aujourd'hui, ça sera le début de ta délivrance. Ne te pose pas la question. Ce qui a fait la force d'Abraham est que Abraham ne s'était pas posé beaucoup de questions. Or, il savait la réalité des choses. La réalité était que c'était le fils de la promesse. La réalité était que c'est quand Dieu dit que notre postérité devait être bénie, ce n'était pas à Eliezer ou à l'autre, c'était en Isaac. Mais voilà, Dieu réapparaît, lui demande encore. Oh, je bénis Dieu. Et je bénis aussi Abraham. Et savez-vous pourquoi Dieu n'a pas voulu que Isaac soit sacrifié? Savez-vous pourquoi? Dieu n'a pas voulu que Isaac soit sacrifié. Si Isaac devait être sacrifié, donc on devait le sacrifier deux fois. Maintenant, à quel moment Isaac a été sacrifié? Isaac a été sacrifié dès l'instant. Dieu a parlé à Abraham et Abraham a obéi. Le fait d'obéir, il avait déjà livré Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis seulement. Obéis seulement. Le reste, tu ne sais pas ce que ça viendra. Obéis seulement. Deuxième vérité dans cette histoire est que tant que Isaac n'est pas encore sur l'autel, tu ne verras pas le bélier. Tu n'as pas compris. Tant que Isaac n'est pas sur l'autel, tu ne verras pas le bélier. Ce matin, y aura-t-il quelqu'un qui sera prêt de se placer sur l'autel afin que le Seigneur dise, regarde, il y a le bélier. Aujourd'hui, j'atteste que tu es obéissant. Pour ce que tu as fait, non seulement toi tu seras béni, même ta postérité sera bénie. Pourquoi doit-on faire le sacrifice? J'ai trouvé quelques raisons. La première raison, nous devons faire le sacrifice parce que le sacrifice est une recommandation de Dieu. Dieu recommande de faire le sacrifice. Dieu aime celui qui obéit à ses commandements.
Non seulement la vie de tout chrétien doit être un sacrifice pour Dieu, mais également apprendre à faire des sacrifices pour lui. Amos 4, verset 4, partie B. Il est dit, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Psaume 50, verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Tu veux que le nom de Dieu soit glorifié, offre des sacrifices à Dieu. Deutéronome 27, verset 7, il est dit, tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Ici, il s'agit d'un ordre. C'est un impératif. Vous savez, j'ai toujours réfléchi. Tout ce que tu as appartient à qui? Tout ce que tu as. Tenez un peu vos téléphones. Amen, s'il vous plaît. Prenez vos téléphones, prenez vos téléphones. iPad, téléphone, iPad, téléphone. iPad, téléphone, ordinateur, appareil photo. Regarde ça. Ce téléphone appartient à qui? Hein? Répondez encore. Vous n'êtes pas de Dieu. La Bible déclare ceci. Il dit à Moïse, dit au peuple, dit à Pharaon, ce peuple, avec tout ce qu'ils ont, les bétails y compris, m'appartiennent. Comment tu peux dire que le téléphone t'appartient? Je vous ai eu, hein? Est-ce que vous pouvez demander pardon? Si tu te dis que tu es consacré de Dieu, si tu te dis que tu es serviteur de Dieu, comment peux-tu être consacré alors que ce que tu as n'est pas consacré? Et si vous êtes d'accord que le téléphone là appartient à Dieu, et si Dieu, le propriétaire qui te le demande, pourquoi tu refuses? Les amens commencent à diminuer, hein? J'ai mal parlé. Quelqu'un d'un homme dit dans son cœur, il n'y a même pas un mois, j'ai payé ce téléphone. Évidemment, ce sont les ennemis de ta postérité, de ta prospérité. Évidemment, ce sont les ennemis qui te poussent à ne pas être béni. Il est arrivé dans cette réunion, comme ça, je suis rentré pieds nus, j'ai laissé mes chaussures. Un jour, j'enseignais, je donnais cet enseignement dans une de nos églises, chez le pasteur Bwango. En face, il y avait une autre église. Le pasteur là m'écoutait enseigner. À la fin de leur culte, ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent dîme. On était surpris qu'ils viennent déposer là. Non, pasteur, nous venons aussi donner les sacrifices. Nous avons besoin de payer une parcelle, que Dieu nous ouvre les portes. Non, je sais que ça va venir. Jusque-là, vous êtes en train de vous poser des questions. Bon, on en arrive où? On va arriver. Dis à ton voisin, on va arriver. Même si tu n'as pas le courage de le dire, dans le cœur, tu as dit, on va arriver. Deuxième raison, le sacrifice est fait dans le but de susciter des dispositions bienveillantes chez Dieu. On ne fait pas le ristourne à Dieu, mais lorsque on apporte le sacrifice à Dieu, on suscite des dispositions bienveillantes. Il y a eu un problème dans l'histoire de David, 2 Samuel 24, 18 à 25. Dieu a interdit à David de ne pas faire le dénombrement, mais David l'a fait. Et la suite était que Dieu devait envoyer la peste. La Bible déclare qu'en un seul jour, il y a eu au moins 70 000 personnes qui sont mortes. David a pleuré, David a pleuré. Rien ne se passait. Jusqu'à ce que cet homme, il est allé consulter, voir Arvana, pour que Arvana lui donne un terrain.
Arvana veut lui donner un terrain gratuitement. Non, non, je ne donnerai pas à mon Dieu la chose qui ne m'écoute pas. Donne-moi contre l'argent, contre sa valeur. La Bible nous dit qu'il a bâti l'autel, il a placé l'holocauste. Au même moment qu'il a fait cela, la Bible dit que non, la plaie se retira de dessus du peuple. J'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre. Il y a certaines plaies dans ta vie ne peuvent s'arrêter que par la voie du sacrifice. Je ne dis pas que la prière est moins faible, mais il y a des choses que tu ne pourras toucher le cœur de Dieu que par le sacrifice. Un sacrifice bien disposé peut arrêter la colère de Dieu en toi. Tu as fait des choses horribles. Mais par la foi du sacrifice, Dieu peut arrêter la colère. Un sacrifice bien disposé peut arrêter la plaie de la souffrance. La plaie de la souffrance, ça peut être la maladie incurable. La maladie qui vous fait retirer toute votre fortune. La maladie qui ne guérit jamais. Mais par la voie du sacrifice, Dieu est capable d'arrêter. Dieu est capable d'arrêter aussi, par le sacrifice bien disposé, la pluie de la sécheresse. Tu passes des moments très difficiles dans ta vie. Bien que tu es dans un pays où le problème de manger est presque résolu, mais toi, pour trouver à manger, c'est tout un problème. Toi, pour trouver du travail, c'est tout un problème. Tu commences même à avoir honte que les autres disent que tu es en Europe. Tout autour de toi est en train de se bloquer. C'est possible que la chose soit débloquée par la puissance du sacrifice. Un sacrifice bien disposé peut arrêter la plaie des échecs dans ta vie. L'homme qui vous parle, vous savez, la culture des sacrifices, je ne l'ai pas commencé quand je suis devenu pasteur. J'étais encore frère dans l'église, mais pas connu par beaucoup de gens. J'ai connu des moments très, très difficiles dans ma vie. Tout le travail que je pouvais avoir, 3 mois ou 5 mois, était suffisant pour que je sois licencié. Même sans aucune raison. Là où j'habitais, à cause de certaines complications, j'ai été chassé. J'ai souffré, vous n'avez pas l'idée. Aujourd'hui, quand je vois des gens, on est en train de me persécuter, on me dit, ferme ta bouche. Toi, tu connais la persécution. Hein? Toi, tu as déjà passé des nuits sur un carton. Ce n'est pas que le lit manque. Toi, tu as déjà mangé une mangue non mûre mais ramassée. Il t'est arrivé dans la vie de manquer les habits. Il fut un temps, je suis resté avec un seul pantalon de la couleur noire. Je l'ai tellement lavé que c'est devenu délavé. Un pantalon que je portais à l'heure de pointe. Je me souviens, ce temps-là, j'étais programmé pour modérer, je ne sais pas, dans une activité spirituelle, ça devait être à l'église. Or, la discipline de l'église, avant que tu tiennes debout, tu dois avoir une chemise bien enfilée. J'avais une chemise de la couleur blanche ou beige, je ne sais pas très bien. Malgré la force que je peux exercer pour repasser, la chemise restait toujours intacte. Et je ne sais pas quelle imprudence j'avais fait. En voulant porter le pantalon s'est déchiré par derrière. J'ai dit, mais Seigneur, jusqu'où tu m'amènes, toi aussi? Vous savez, la souffrance nous apprend des choses. Ces temps-là, je suis incapable de payer une aiguille. Même si je pouvais avoir l'argent, vaut mieux que je profite à autre chose. Je suis allé prendre un toile isolant de la couleur noire, j'ai collé.
pour qu'il y ait quand même la confusion. Et j'arrive au lieu du culte, quelques instants avant que je me lève pour que j'aille, maintenant commencer à diriger un frère que j'aime bien. Il a fait vraiment de bonne foi. Il est venu, il m'a soufflé à l'oreille. Il dit, non, mon frère, tu étais assis sur le scotch. Au lieu qu'il attende que j'enlève, lui, il l'a enlevé pour moi. J'ai trouvé un emploi. Je me souviens, ce jour-là, on m'a donné mon premier salaire. C'était en francs belges. J'ai pris tout l'argent. Je n'ai pas regardé que je n'avais pas de maison. Je n'ai pas regardé que j'ai dormi par terre. Je suis allé voir l'administrateur de l'église. J'ai déposé tout. C'est pourquoi les gens comme nous, si vous nous voyez être bénis, bénissez aussi Dieu. Des moments très difficiles. On ne donne pas le sacrifice à Dieu parce que tu en as beaucoup. On donne le sacrifice à Dieu parce que tu aimes Dieu. J'ai mal parlé. Un sacrifice bien disposé peut arrêter la maladie dans ton corps. Je ne sais pas si j'avais témoigné la fois dernière ce que j'avais connu dans ma santé. On ne comprenait pas. J'ai fait des mois et des mois des maladies où on ne trouvait pas vraiment la cause de la maladie. Et plus tard, on se rendra compte qu'il y avait des choses un peu qui étaient dans le corps. Et le corps était tellement affecté. Je ne vomissais que du sang. Il y avait des choses terribles. Et moi-même, à un niveau donné, j'étais vaincu dans le cœur. Je me disais que non, dans peu de jours, je veux mourir. La nuit, quand les gens pouvaient dormir, moi, j'étais en train de pleurer. Je me disais, Seigneur, y a-t-il quand même dans cette vie des gens qui m'en veulent? Et par moments, je pouvais me cacher à mes enfants pour ne pas détruire la foi de mes enfants. Un jour, mon épouse s'est levée. Vous savez, si vous voulez susciter la colère de votre épouse, allez toucher à ses bijoux en or. J'en connais quelque chose. Mais elle entre dans la maison, elle prend tout ce qui était pour elle comme bijoux en or. Elle est allée voir un homme de Dieu. Quelque part, on animait un séminaire dans une de nos églises. Elle a vu cet homme de Dieu. Voilà ce qui se passe dans le corps de mon mari. Tout ce que je désire, que cet homme puisse avoir vie. Cet homme, je ne l'ai pas vu. Bon, je les voyais dans d'autres occasions quand ils pouvaient prêcher. Mais chaque matin, il appelait pour prier pour nous. Et si aujourd'hui, je suis en train de vous parler de sauter, de la manière dont je le fais, c'est le miracle de la puissance du sacrifice. Un sacrifice bien disposé peut arrêter toutes sortes de guerres ou de combats. La vie que nous menons, nous avons des combats de toutes parts. Nous avons des guerres de toutes parts. L'ennemi ne te laissera jamais à l'aise. Tantôt il y a la puissance de la réclamation familiale. La famille te réclame dans leurs liens pour que tu n'évolues pas, pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne puisses pas avoir les enfants. Ce sont des choses vraies. On cherche d'une manière ou d'une autre te manipuler par la puissance de la sorcellerie. Vous savez que la base de toute coutume, c'est la sorcellerie. Il n'y a aucune coutume, surtout africaine, qui n'est pas basée sur la sorcellerie. J'ai connu, je l'ai dit, que je donnerai plusieurs témoignages me concernant. J'ai connu des batailles de toutes sortes. Il est arrivé un jour, un dimanche, nous avons quitté le culte, arrivé à la maison vers 14h-15h. Je devais prendre, j'étais sous cure, j'ai trouvé mon enfant. Cet homme-là, il avait 6 ans, 5 à 6 ans. Je lui dis, non, Nabia, est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau? J'ai seulement récupéré la place. C'est une maison qu'on louait à son temps. Et cet homme avait vraiment le projet d'aller en hauteur.
J'ai récupéré la place de mon deuxième fils. Deux minutes après, une partie de béton s'est détachée d'en haut, jusque sous ma poitrine. Je suis levé, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. On m'a pris comme un carton de poisson jusqu'aux cliniques universitaires. Des premiers soins, on m'a ranimé. Et puis, à un moment donné, quand on pouvait faire la radio, sur ma poitrine, les os qui se trouvaient étaient brisés. Et le cœur, il y avait dilatation de cœur. Je me souviens, ce docteur, c'est un chrétien, il m'a regardé, le docteur. Moi, il m'a dit, non, si tu as quelque chose de valeur, je te prie de vendre. Une telle intervention, il faudrait que tu quittes le pays. Je le regardais, les larmes coulaient de mes yeux. Et mon épouse était derrière moi, j'ai senti qu'elle m'a tenu sur mes épaules. Elle était en train de prier, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Si aujourd'hui, en passant, il y a des gens qui ont été gagnés, c'est à cause de cet homme. Frère, il y a dans la vie des choses, quand ça vous arrive, vous posez la question. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On est rentré à la maison. Le médecin avait même peur de me prescrire quoi que ce soit sur l'ordonnance médicale. Je ne savais pas dormir convenablement. J'étais en train de m'étaler seulement par terre. Et je ne pouvais que gémir. Gémir. Une douleur atroce. Deuxième ou troisième jour, au milieu de la nuit, je vois quelqu'un dans un songe qui apparaît, habillé en blanc. Il s'est approché de moi, il a ouvert cette partie. Il a replacé chaque débris des os. Il l'a replacé. Et puis, il a cousu encore. Et quand il a refermé, je suis sorti. Et non, Bibiche, Dieu m'a visité. Peut-être tu as aussi des guerres qui ne sont pas forcément les guerres que j'ai connues. Mais le sacrifice parle devant le Seigneur. Toute démarche que tu entreprends ne te réussit pas. Tu es en train de vivre, tu te poses la question, mais pourquoi je suis venu ici? Non, change ta manière de faire les choses. Change ta manière de voir les choses. Le meilleur est à venir. Un sacrifice bien disposé peut arrêter le décret de la mort dans ta vie. On avait décrété 60 jours de prière, je crois, il y a quelques années. Nous sommes allés à l'église le soir quand on devait revenir. On a trouvé l'état de la maison inhabituel. Or, à notre départ, le feu venant d'où on ne sait pas. Tout était brûlé, à part notre chambre. Les habits, les histoires dans la maison, en pleine prière. Frère, j'aimerais dire, vous qui prenez la vie chrétienne à la légère, le combat spirituel est réel. Ah. Le sacrifice bien disposé attire la protection de Dieu sur toi. Je suis bénéficiaire de la protection de Dieu. J'ai fait des accidents mortels. Quand vous regardez l'état du véhicule, vous regardez la personne qui en est sortie, vous direz toujours que non, cet homme a un Dieu. Troisième raison, le sacrifice est fait pour rendre grâce à Dieu pour ce bienfait déjà accordé. Il est important de comprendre que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout le bienfait. Il s'agit d'un devoir que tout chrétien doit exercer dans sa vie. 1 Samuel 6, 13 à 15. On nous parle d'une petite ville. Cette petite ville, c'est Beth-Shemesh, qui veut dire ville de soleil. C'est une petite ville à 25 kilomètres de Jérusalem. Et la Bible parle que c'est un endroit où habitaient beaucoup les Lévites.
Un jour, les Philistins sont venus. Ils ont déposé l'arche de l'Alliance dans cette ville. La Bible déclare que les Lévites, lorsqu'ils ont vu l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu, ils ont offert le sacrifice à Dieu. La petite ville a été marquée non seulement par la puissance, par la présence de l'arche de l'Alliance, ils ont été marqués également par la puissance du sacrifice. Bethshemesh, une petite ville insignifiante, mais aujourd'hui, Bethshemesh a été connue à cause de l'œuvre du sacrifice. Cette ville a été marquée par son histoire de ce que les Lévites avaient fait. Rendre grâce à Dieu, c'est un devoir de tout chrétien. Nous avons lu au début Nombre 10:10. Il dit dans vos moments de joie, dans vos moments de paix, vous offrirez à Dieu de sacrifices d'action de grâce. Et cela vous mettra à souvenir. J'ai un des collaborateurs avec qui je travaille. Il a passé des moments très difficiles. Jusqu'à un niveau donné, sa femme devait retourner chez elle. Et lui, il passait nuit dans des conditions compliquées, même à l'église. Un jour, je parle à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver à mon frère un petit travail? Que non, chez nous, on n'engage pas, mais il n'y a que les journaliers. Sinon, ce n'est pas grave. Le frère est allé, il a fait 20 jours. On lui a payé pas beaucoup d'argent, $120. Un jour, il vient dans mon bureau avec cet argent. Il dit, non, non. On était pendant le temps qu'on pouvait, on était en train de chercher à collectionner l'argent pour payer la parcelle pour l'église, comme vous êtes en train de le faire. Il m'a remis cet enveloppe de mon frère. Tu as beaucoup de choses à faire. Et son mariage était même menacé. Pourquoi n'est pas... Non, non. Pasteur, je désire d'abord honorer Dieu. Je lui ai dit, non, non, mon frère, je veux respecter ta foi. À genoux, toi, je veux prier. Je priais pour cet homme. Quelques jours après, l'homme, là où j'avais glissé ma demande, m'appellera et me dit, est-ce que le frère là est toujours là? Oui, il est toujours là. Il dit, non, non, semble-t-il que son travail a été apprécié. Et des deux, la personne qui était partie en congé et qui était aux États-Unis vient d'appeler et dit non, il ne va plus revenir. Le lieu là est vacant. Est-ce que vous pouvez le rappeler de venir pour faire un contrat? Il travaille dans cette grande société à cause de l'action de grâce. Quand j'étais dernièrement, j'ai raconté à un frère et un compagnon avec qui nous avons évolué dans les choses de Dieu. On a parlé avec lui. Il s'était rendu compte. Bon, il m'a dit que toutes ces années qu'il est ici, il n'avait pas de documents. Sa femme est encore au pays, les enfants. J'ai senti une compassion que je n'ai jamais sentie. Ses frères, on va prier. On a tellement prié. Je suis allé au pays, on se parlait. Et non, pasteur, j'ai rendez-vous telle date, allez-y. J'ai rendez-vous telle date, le dernier rendez-vous, il est parti. Il m'appelle, non, pasteur, on vient de m'accepter. Hier soir, il était à la maison. Et non, 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 pasteur, je suis venu sceller mon action de grâce. Beaucoup de gens n'ont pas de culture, cette culture. S'il faut donner aux gens, vous donnez. Mais s'il faut donner à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ta peau, non, tu deviens un calculateur. Tu deviens calculatrice. Non, ça sonne bien, calculatrice. Au point que tu es en train de négocier avec Dieu au sujet de la dîme. Or, la dîme n'est pas à toi. Tu peux imaginer. C'est comme un enfant. Tu lui as payé les bonbons. Tu lui donnes qu'il dit, un bonbon. Non, j'ai refusé. Mais qui te donnera encore les bonbons?
Pose la question, qui te donnera encore? Je me souviens un jour, un pasteur est venu prêcher chez nous. Il a fait un appel. Je me suis réveillé quand je donnerai 500 dollars. Après, je vois mon épouse qui vient à côté de moi. Je me disais peut-être, mais comment tu peux t'engager pour un gros montant comme ça? Mais elle me dit non. C'est moi, j'estime que l'argent que tu viens de, c'est peu par rapport à ce que le Seigneur a fait. Tu veux qu'on fasse quoi? C'est non, non, non. Nous avons une parcelle en dehors de ce que nous avons. Est-ce que nous ne pouvons pas donner cette parcelle à Dieu? Ok. Nous avons pris tous nos documents. On a remis que nous avons donné la parcelle à Dieu pour que vous vendiez et que nous achetons à Dieu une parcelle. Frère, j'aimerais que vous reteniez cette phrase. Si tu désires avoir de Dieu ce que tu n'as pas, commence d'abord à lui donner ce que tu as. Je répète, si tu désires avoir de Dieu ce que toi tu n'as pas, commence d'abord à lui donner ce que tu as. Ah. On doit faire le sacrifice également pour faire plaisir à Dieu. Il est dit, Dieu prend plaisir au sacrifice fait d'un bon cœur. Nous l'avons lu dans Hébreux 13, 15 à 16. Le sacrifice des louanges qui sortent de la bouche des croyants plaise à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés par un acte d'amour. Genèse 4:4 dit, l'Éternel porta un regard, un grand regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'apôtre Paul, parlant des Philippiens, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu agrée et qui lui est agréable. Je serai obligé d'arrêter ici. Je vais continuer le mardi. Je sais que déjà que je parlais à beaucoup de gens. Le mardi, je parlerai sur les principes. Mais permettez que je termine encore par ce témoignage. Lorsque vous donnez à Dieu, Dieu vous protège. Personne ne saura t'attaquer. Quelque temps, j'avais souffert dans ma santé aussi également. On pouvait faire tout ce que on pouvait faire. Comme radio, échographie cardiaque. Du moins, l'échographie cardiaque avait démontré qu'il y avait un problème au cœur. Et ce problème-là, je me souviens, c'était un terme très compliqué. Cardiomyopathie, ce qui est asymétrique hyperbolique. Et quand le docteur était en train de m'expliquer, je ne comprenais rien. Je suis allé sur l'internet. En fait, cette maladie, il n'y a pas de guérison. Cette maladie, on va te demander de courir un peu, mais de ne pas courir trop. On va te demander de t'asseoir un peu, mais de ne pas t'asseoir beaucoup. Cette maladie-là, on te dirait de manger et de ne pas manger beaucoup. Donc, il y a des restrictions dans tous les domaines. Et je savais que... Cette fois-ci, moi, je dois partir.
Non, si j'expliquais à mon épouse, j'avais oublié qu'elle aussi, parce que je l'avais caché, elle était entrée dans ma mallette et elle a pris les résultats. Elle est allée aussi demander à un médecin que je ne savais pas. Je croyais que j'ai gardé le secret. Elle aussi savait. Elle savait que moi, je savais que je ne savais pas qu'elle savait les résultats. Et j'avais peur. Je me dis que non, en tout état de cause, ça peut arriver que non, peut-être je me réveille un matin, je suis parti. Ma fille a 15 ans, je l'appelle. Bête, je crois que tu es à l'âge de comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas que je lui préparais parce que je vais mourir, mais je voulais lui préparer parce qu'elle est devenue grande. Je viens d'une famille autant, tout cela, cette parcelle est à nous. Si moi je ne suis pas là, c'est votre maman. Si votre maman, c'est toi, Yelene. Voilà le parcours de mes études. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai un compte en banque, même s'il n'y a rien, le compte est ici. Voilà mes cartes bancaires. J'ai donné tous les codes. Donc, à un niveau, vous savez ce que l'ennemi fait. À un niveau donné, j'étais convaincu que je mourrais. Ah, j'aime Dieu quand il vient nous protéger. Je devais voyager un dimanche soir. Et le pasteur me m'appelle, non, tu dois venir d'abord, on doit prier. Il a appelé tous les pasteurs des extensions, du moins qui sont à Kinshasa. Ah non, je n'ai jamais vécu un tel moment de prière. J'ai vu d'autres pasteurs pleurer. J'ai écouté un des pasteurs crier que non, Seigneur, nous avons besoin encore de cet homme. Il nous est encore utile parce qu'il n'a pas encore prêché à Paris. Donc, ce qui sera. Nous avons encore besoin. Donc, j'ai pleuré jusqu'à fatiguer. Et le pasteur Tseme n'a pas caché, il dit que non. Ce n'est pas une maladie qui est normale. Tu as reçu une flèche. Peut-être tu es là, tu as reçu une flèche. À la fin de la prière, non, vas-y. Mais nous attendons de toi un témoignage. J'arrive en Afrique du Sud, 2 jours après le rendez-vous avec le cardiologue. On a demandé des examens. J'étais avec l'épouse d'un ami docteur. Pichou, qui interprétait. Après avoir fait tous les examens, il fallait qu'on me donne maintenant le bilan de tout en face du cardiologue. Il regarde les résultats. Sinon, voilà le résultat, ce que ça donne. L'état du cœur est normal, le battement est normal, tout est normal et il ne voit pas en quoi il peut même prescrire une aspirine. Dans vos moments de joie, dans vos moments de paix, vous offrirez à Dieu des sacrifices d'action de grâce et cela vous mettra en souvenir. Quand j'ai été malade, le souvenir s'est déclenché. Tu veux que le souvenir se déclenche ce matin? Je veux prier, mais avant que je prie, je vais donner à tout le monde les enveloppes à remettre mardi. Nous allons bâtir un hôtel pour l'achat de notre bâtiment ici. Plusieurs peut-être ont passé, l'ont fait. Mais vous n'allez pas me dire que les prédications étaient les mêmes. Prenez. Mettez un peu Dieu au défi. Mais je sais. J'ai prêché cet enseignement dans une église, sœur. Une maman s'est levée avec son mari. 12 ans de stérilité. Ils ont donné un domaine de 10 hectares à Dieu. Il y a quelques mois, le pasteur m'avait dit qu'il venait de présenter un enfant. Non, aidez-moi, c'est moi qui dois donner ces enveloppes-là. Je vais me revoir.
Voilà. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut exprimer? Ne regarde pas ce qui est dans votre compte. Ne regarde pas le projet que tu as. Abandonne un peu ce que tu as comme projet. Si tu désires avoir de Dieu ce que tu n'as pas, commence d'abord à lui donner ce que tu as. Quelqu'un peut venir prendre ton enveloppe. Prenez. À remettre mardi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a plus d'enveloppe. Voilà. Donnez-moi, merci. Que Dieu bénisse. Prenez ma soeur. Que Dieu bénisse. Voilà, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est lui qui a eu honte de passer. Il reste 3 enveloppes. Hein? Vous pouvez même passer après culte. Vous prenez. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes pour que nous prions? On peut se tenir debout. La Bible déclare ceci. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 7, verset 10. La Bible dit que du moment où le peuple d'Israël voulait offrir à Dieu le sacrifice, les Philistins, les ennemis jurés, se sont levés pour attaquer. Mais la suite dit ceci. Quand Dieu a vu que son intérêt était dérangé, Dieu a ordonné que le tonnerre, le foudre, descende sur les ennemis. Est-ce que tu peux prier ce matin que l'ennemi de ta vie, que le tonnerre, puisse tomber sur lui? Où qu'il soit, est-ce que tu peux taper les mains en déclarant cette prière de victoire? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, j'ai résolu de faire le sacrifice. Oh, rabaraba koria baraba shaka baraba koria baraba koria bara inda baraba koria baraba koria baraba shaka. Rira bara basa kabara bakuria bara bashinde bere bere. Yera baba 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 baba. Yera bara bakuria bara bashike bere. Au nom de Jésus. 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 Brisez toute force du monde du ténèbre. Brisez toute force du monde du ténèbre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Tendons nos deux mains dans la présence du Seigneur. Lèvons nos deux mains, s'il vous plaît. Priez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Oh Dieu, le sacrifice que tu agrées premièrement, c'est mon cœur. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Seigneur, cette enveloppe que j'ai prise n'est qu'une expression de l'amour vis-à-vis de toi. Je sais, en ton front cela, tu vas libérer ma voix. Tu vas libérer ma santé. Tu vas libérer mon intelligence. Oh Dieu, au travers
de ce sacrifice, je prie pour que les projets de mes ennemis soient anéantis. Soient anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'au travers de ce sacrifice, des choses nouvelles apparaissent dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que par ce sacrifice, la détresse, le malheur ne puissent apparaître deux fois dans ma vie. Deux fois dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute manipulation du monde du ténèbre. Toute manipulation occulte qui crée le blocage dans ma vie, dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ça soit débloqué. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma finance soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. La victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?